Je suis donc Pierre Morisot, le cofondateur de Waltio, un assistant fiscal de crypto-monnaie. En fait, aujourd'hui en France, il y a 1 million de personnes qui possèdent des crypto-monnaies et on voit une tendance d'adoption qui est semblable à celle d'Internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau européen, on a vu plus de 100 000 contrôles fiscaux pour les particuliers, sachant que les particuliers ont tous l'obligation de calculer leur plus-value et de déclarer leur compte. Donc, en fait, ouais, il y a un slide en plus. Comment est-ce qu'on calcule en fait ces plus-values? C'est très simple, c'est exactement comme le process de comptabilité. Il faut revoir intégralement chacune de toutes ces transactions de son portefeuille, et ça prend au minimum 3 jours. Je voulais vous montrer l'essai d'un énorme Excel qui, en fait, pour quelqu'un qui a fait que 4 opérations, tout le travail qu'il y a à faire. Donc nous, on a créé une solution assez simple. On se connecte sur les comptes, on récupère l'information, on a codé le droit fiscal des crypto-monnaies, donc on aide à calculer le montant imposable et on produit automatiquement les liasses fiscales. Cette année, on a lancé une version bêta. On a eu plus de 330 clients, donc 70 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, maintenant, on est en phase de... Ouais, on est en... Ouais. Pardon. Et on est en phase de levée de fonds pour 3 objectifs. Le premier, c'est donc développer l'intelligence dans notre produit pour pouvoir calculer le montant imposable plus facilement. Deuxième point, c'est accélérer notre croissance via une solution intégrée au sein des gros acteurs de la crypto-monnaie. Et enfin, troisième point, pas tout de suite, mais dans 2 ans, le développement à l'étranger, en Europe. Merci beaucoup. Je peux prendre des questions ou... De même en avance. Ouais, on avait Il te 180 reste une secondes. minute, hein, si tu veux dire quelques mots. Je peux, mais ou sinon, s'il y en a qui ont des questions, je vous écoute. Ou... Non? J'ai dit 1 million de Français. Nous, on est persuadés que dans 5 ans, il y aura 20 millions d'Européens qui, tous les ans, calculeront et déclareront leur plus-value. C'est la Deutsche Bank qui dit ça. Donc, en termes de profondeur de marché, ouais, voilà. Ils disent aujourd'hui, enfin, le pari, c'est qu'il y aurait 250 millions de personnes qui en possèdent d'ici 10 ans, niveau mondial. Sachant qu'en fait, ce qui a été surprenant, c'est que nos clients ont visé que du particulier. Et en fait, on a une partie qui est du B2B, donc avocat fiscaliste, conseiller en gestion de patrimoine, experts patrimoniaux, enfin, ce qu'on ne ciblait pas à l'origine. Mais qui. Bah, déjà, on les a beaucoup aidés sur la création du texte de loi, la loi de finances de 2018. Et là, on fournit nos recommandations, on écrivait ce matin encore au Trésor. Donc, ils savent, oui, ils savent qui on est, ils lisent aussi ce qu'on fait, ce qu'on produit, les documents. Et donc, on n'est pas, je sais pas comment dire, timestampé, comme quoi on est validé avec l'administration fiscale. Maintenant, on est plusieurs logiciels de taxes. Je suis désolé, en niveau de temps, je peux la faire plus courte, mais on est plusieurs logiciels de taxes. La discussion continuera D'accord. après. Ça marche. Merci Pierre. Merci.